Nationalité, Sénégal. Né à Joal, Sénégal, le 9 octobre 1906. Mort à Verson, France, le 20 décembre 2001. Léopold Sédar Senghor est un poète, écrivain et homme politique franco-sénégalais. Il fait ses études à la mission catholique de Ngassobile, au collège Liberman et au cours d'enseignement secondaire de Dakar, puis, à Paris, au lycée Louis-le-Grand et à la Sorbonne. Il est reçu à l'agrégation de grammaire en 1935. L'Africain de naissance, il l'a toujours fait savoir. Et défendre sa race fut un sacré devoir. Où allons-nous, d'où venons-nous? Qui sommes-nous pour la diaspora? Ces questions étaient à jour. Or Senghor y trouvait des réponses appropriées. L'héritier généreux, il ne s'est pas fait prier. Devant six frères bâtards pauvres étudiants. Son père étant un grand commerçant florissant. Entièrement élevé par les religieux. Dakar l'a vu au Liberman bien studieux. À Louis-le-Grand où il est envoyé boursier. Ressources pour devenir un bon licencié. Sa thèse, l'exotisme dans l'œuvre de Baudelaire. En Afrique lui fait première agrégée de grammaire. Notre poète en héros fut accueilli au Sénégal. Grand homme d'État, il l'était sans égal. Homme talentueux par son tam-tam intérieur. On lui doit ainsi une poésie mélodieuse. Renouant avec la vraie tradition africaine. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez vous abonner, commenter, partager, et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.